Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Halo Wars. Nous sommes sur la 13e mission qui se nomme Tête de Pont et je vais vous montrer tout simplement l'emplacement du crâne et de la boîte noire de cette mission. Pour le crâne, il va falloir terminer une mission secondaire que vous pouvez voir juste ici, abattez 10 bombardiers. Les bombardiers, ce sont des ennemis qui volent, donc ce sont des parasites. Là, ils les ont tous tués. Des espèces de parasites qui volent, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé des soldats à peu près ici et ils viennent tout seuls, donc il y en a 10 à tuer, c'est assez rapide. Ensuite, le crâne va apparaître juste ici, donc là je l'ai déjà récupéré, donc il n'est pas là. Et la boîte noire quant à elle, alors attendez, on va se mettre hop ici. Alors c'est à l'est du téléporteur que vous prenez dans la mission. Vous avez la première base, ensuite vous allez au milieu, vous avez la deuxième base au milieu de la map, vous allez tout droit, vous pétez à base Covenant et vous faites votre base à vous. Et la boîte noire en fait sera juste ici. Donc encore une fois, je l'ai déjà récupérée, donc elle n'est pas là, mais elle est ici où j'ai le Hornet. Le Hornet n'est pas anodin, il va vous falloir un Hornet ou un Vautour pour récupérer cette boîte noire, étant donné que, comme vous pouvez voir, elle se trouve sur une falaise. C'est tout pour cette mission. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime ou un commentaire, ça me ferait très plaisir, ou même abonnez-vous, ça me ferait encore plus plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée.